toute douée pour s'intéresser à un autre aspect de l'histoire du Nord, qui est la mine, avec la visite du musée de la mine. Exploramine, voilà. Donc c'est parti cet après-midi, on descend dans la mine. Tu as quel âge ? 6 ans et demi, je vais te donner le rôle de Joseph, le herscheur. J'expliquerai également le terme tout à l'heure. Tu as quel âge ? 8 ans, tu vas jouer le rôle de Stanislas, l'abatteur. De Leeward, c'était hyper intéressant. Alors il y a plusieurs aspects et plusieurs intérêts de venir ici. Déjà il y a des bâtiments qui sont magnifiques, il y aura plus de photos dans notre article sur le site. Ensuite il y a tout cet aspect visite adaptée aux enfants, et c'est ce qu'on a choisi avec le guide pour vous renseigner sur les jours et heures de ces visites. C'est souvent week-end et vacances, des visites vraiment adaptées aux enfants, et c'est ce qu'on a choisi pour commencer. C'était super de leur donner un rôle, comme ça, ça permet qu'ils soient plus attentifs tout au long de la visite, avec un support en tablette pour expliquer qu'on descend. On prend l'ascenseur, on descend tout au fond de la mine, et puis on va découvrir l'évolution du travail et des conditions de vie des mineurs. Donc ça, c'était ultra intéressant, les enfants ont adoré. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un porion, faudra y aller. Et puis si vous savez, on ne sait jamais, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires pour aider les autres. Après, il y a un autre aspect musée où on va voir les objets d'époque, voir les conditions de travail de l'époque. Et ce qui m'a profondément touchée, c'est qu'il y a une visite, enfin il y a quatre visites différentes, puisqu'il y a quatre anciens mineurs qui vous proposent de les rencontrer, de faire une sorte de visite. C'est pas vraiment une visite guidée, c'est plus un échange avec des thématiques différentes. Donc nous, on a eu la grande chance et l'honneur de rencontrer Michel, qui a parlé de la vie autour de la mine, des loisirs qu'avaient les mineurs, et ça m'a beaucoup touchée. C'était je sais pas comment, je crois qu'on réalise pas que c'était il y a pas si longtemps. Je crois qu'on réalise pas que c'était vraiment, même si on sait que c'est dur, que c'était ultra dur, je crois qu'on réalise pas à quel point ça a marqué la vie de ces gens, et ça la marque encore, puisque les mines n'ont pas fermé il y a si longtemps que ça. Moi, je viens du sud de la France et on a un bassin minier aussi, donc c'est vrai que c'est peut-être une histoire qui me touche beaucoup, même si j'ai pas de mineurs dans ma famille. Mais c'est vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer. Je vais essayer de rédiger un article qui expliquera peut-être ça mieux. Je ne sais pas, peut-être avec plus de distance. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Bref, et puis il y a un autre aspect de cette visite aussi. Ça va être toute la partie géologie qui explique la formation du charbon à travers les âges, et qu'il n'y en aura plus demain.
c'est pas en claquant des doigts comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la descente pour vivre dans la mine, la rencontre avec les mineurs qui est ultra enrichissante. Et puis tout ce musée avec les objets, l'histoire, l'évolution de la mine et la géologie. Ça fait vraiment de ce musée un endroit où on va pouvoir explorer tous les aspects de l'histoire de la mine. Et c'est ultra intéressant, donc on vous le recommande. C'est une super visite à faire en famille. Et même sans enfants, c'était vraiment très très intéressant. Donc voilà, pour compléter ça, et ben maintenant on a décidé d'aller voir à quoi ça ressemble un terril d'un peu plus près. Et ça, ça sera demain. Donc on va reprendre la route. Et puis ben on vous retrouve demain. Voilà, allez, en route. On est redescendu. Liam a compté, je crois qu'il y a 368 marches pour aller en haut, là. Et en fait, c'est vrai que ce pays est ultra plat, donc il n'y a pas de relief. Et on voyait que les terrils.
et que ça fait partie, c'est ancré dans l'histoire du Nord. Donc pour nous, visiter ce terril, c'était aussi important. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les hommes descendaient à la mine et c'est les femmes qui triaient le charbon de la pierre. Et toutes ces pierres, en fait, ben, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils ont fabriqué ces monticules. Ça a été créé à la force des bras de ces hommes qui ont pioché dans les galeries et puis à la force des bras de ces femmes qui ont trié tous ces cailloux pour séparer la pierre du charbon. Donc quand on sait le nombre qu'il y a de terrils dans la région, qu'on voit, enfin, c'est la partie immergée de l'iceberg du travail qui a été fourni dans ces mines. Et faut pas oublier que c'était un métier hyper dur, même encore récemment. Et ça fait partie de cette histoire du Nord et du Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est important pour nous, après avoir fait cette visite, de venir au moins sur un terril. Donc là, on est venu voir les doubles terrils. On s'est levé très très tôt. C'est pas notre habitude de se lever tôt, mais on s'est dit que quand même ça valait peut-être la peine d'y monter tôt. On n'a pas été déçus, c'était très 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 beau. Donc si vous avez le courage, montez-y au lever du soleil. Vous serez seul au monde, clairement, il n'y avait personne. Pourtant, on est en fin du mois de juillet, il n'y avait personne. Donc c'était une chouette expérience. Et là, on retourne à Tadam. Se coucher. Non, on ne va pas se coucher. On ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui encore. Mais la journée commence plutôt bien. Donc c'est ici, au pied des terrils, que des terrils, parce que je crois qu'on ne dit pas le L, que je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo sur le Nord, faites-nous le savoir, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez surtout pas à partager ces vidéos, ça nous aide beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous êtes du Nord et que vous êtes fier de votre région, ben vous avez bien raison. Et faites-le savoir en partageant cette vidéo autour de vous. Et puis ben, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça comme d'habitude. On vous dit à très vite et on vous fait des bisous. Ciao.